Alléluia, merci Seigneur. Tu es là présent au milieu de nous ce soir, tendre Père. Tu es là présent au milieu de nous, cher Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous nous réunissons encore ce soir pour te rendre toute la gloire, pour te bénir, pour te louer, pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci, tendre Père, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, tendre Père, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Glorifie ton nom, milieu de nous. Sois béni, ma sœur Marika, que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. Seigneur, merci de nous faire du bien. Durant ce programme de prière, Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur. Nous te voulons de tout cœur, ô Maître du ciel et de la terre. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous puissants de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es, ce que tu fais. Nous allons élever nos voix, bénir dans le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce. Encore ce soir au milieu de nous, Maman Irène, bonsoir, soyez bénie. Alléluia, Maman Maria, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénie. Voilà, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons élever nos voix. Nous allons demander que Dieu nous fasse grâce dans ce programme de prière. Élevons nos voix, bien aimé dans le Seigneur, implorons la grâce et la miséricorde de Dieu au travers de ce programme de prière. Alléluia, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance, merci Seigneur pour ton œuvre à la croix. Nous bénissons ton saint nom, Maître du ciel et de la terre. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Seigneur, merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Ta grâce, dans ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Shalom, shalom, maman Blandine. Que Dieu bénisse. Pour magnifier ton saint nom. Oh Seigneur, merci. Exalter ta grandeur. Merci Seigneur pour ta grâce. Car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Alléluia. Devant toi, tout genou fléchira. Merci Seigneur. Et toute langue confessera. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. Nous te devons toutes choses. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus, notre Prince glorieux. Tout genou fléchit, que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur. Et nation proclame la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire, il est bon tous ton même vie. Proclamons sa magnificence, Jésus le Prince glorieux. Oui, acclamons le roi de rois, car tout pour lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Le frein de sa gloire. Et que nos cœurs, et que mon cœur s'abreuve, 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 et de sa divine bonté, de sa divine bonté. Devant tous même lui, et contemplant sa magnificence, Jésus le glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Lui a été donné, Jésus le pasteur. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Célébrons sa victoire, proclamons son royaume. À jamais son nom, son nom, le frère de son chant. Alléluia. Et à raison de nous, oui, lèvons tous nos mêmes et contemplons sa magnificence. Jésus, acclamons le roi du roi, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, lèvons tous en aide. Et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, il a tellement de roi, car tout lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Jésus, le prince glorieux. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Bonsoir, maman Victoriana. Bonsoir, maman. Maman Valentine Madou, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière de ce soir, c'est de dire, bien-aimés, avec Dieu, bannissons la crainte face à nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi, ça peut être, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, le diable. L'ennemi, bien-aimés, ça peut être un homme physique comme ça, naturel, qui, bien-aimés dans le Seigneur, est en train, n'est-ce pas, de te faire peur pour que tu ne puisses pas accéder à certaines choses. Naturellement, l'ennemi, bien-aimé, ça peut être une situation, l'ennemi, ça peut être une maladie, bien-aimé, qui te fait peur. Tu vis dans la peur parce qu'on t'a appris, voilà, tu as telle maladie, tu vis dans la peur. La maladie devient un ennemi qui te fait peur, bien-aimé, dans le Seigneur. Bannissons la crainte, bannissons la peur.
face à nos ennemis, parce qu'avec Dieu, béni dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur, c'est l'ennemi de la foi. La peur. C'est pourquoi dans la Bible, bien-aimés, selon certains chercheurs, on a remarqué 365 fois, bien-aimés dans le Seigneur, on trouve, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc, au moins chaque jour, Dieu te dit de ne pas avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, je puis vous dire, il y a un verset, bien-aimé, il y a un verset qui me donne toujours la paix dans mon cœur. Un verset qui me donne toujours la paix dans mon cœur. Chaque fois que je lis ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, ça tranquillise mon cœur face parfois à des situations un peu difficiles et compliquées. Mais ça me tranquillise, bien-aimé dans le Seigneur. Ça me tranquillise. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que l'Éternel, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est toujours assis sur son trône. Regardez ce que la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'allais pas commencer par ces versets, hein, mais je commence par ces versets. Il me vient à l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous assure, ces versets vont vous fortifier, je suis sûr. Vous serez fortifiés par ces versets ce soir. Je suis sûr, bien dans le Seigneur, que vous serez fortifiés par ces versets ce soir. Ce verset, c'est vraiment... Non, c'est un verset terrible. Je vous assure, bien dans le Seigneur, ça va vous fortifier ce soir. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Oh, c'est pas vrai, Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Il me pose la question, nous, chrétiens, moi-même y compris, sommes-nous conscients que Dieu sur son trône règne éternellement? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas au roi vit éternellement. Le roi de ce monde, il meurt. La reine d'Angleterre est en train de vieillir quelques temps après, dit-il. Elle va mourir, c'est l'âge, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, elle partira. Elle quittera son trône, la mort va frapper. Mais Dieu, sur son trône, règne éternellement. Et il a un contrôle parfait sur ce qui se passe sur la terre. Pourquoi avons-nous peur des situations? Tu as peur du vaccin, tu as peur de la maladie, tu as peur de... Pourquoi avons-nous peur, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi la peur? Bien-aimé, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Là où la peur s'installe, la foi s'enfuit. Là où la foi s'installe, la peur s'enfuit. Bien-aimé dans le Seigneur, certains défis, bien-aimé, nous mettent dans la peur. Tu as peur du lendemain, tu as peur de la maladie, tu as peur d'une telle situation, tu as peur, n'est-ce pas, bien-aimé, de la crise, tu as peur de nouvelles. Quand tu suis la télévision, bien-aimé, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a que, bien-aimé, de mauvaises nouvelles. Tu as peur, je ne sais pas où va le monde, j'ai comme l'impression, tu as peur. Pourquoi tu dois avoir peur? L'Éternel sur son trône règne éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ce soir t'enlever la peur. Chaque fois que tu as peur, pense à ces versets. Psaume 29, le verset 10. L'Éternel était sur son lors du déluge. Pendant que les gens étaient en train de mourir dans les eaux à cause de leur désobéissance, mais Noé était tranquille avec sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le navire. Et vous savez quoi? Dans ce navire, il y avait même des oiseaux étaient sauvés. Les bétails, certains animaux étaient sauvés. Mais les hommes mourraient, bien-aimé dans le Seigneur, à cause du péché. Nous avons peur parce que nous n'avons pas la foi en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi la plupart des cas, nous avons peur. Fais confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, bannissons la peur. Bannissons la peur. Nous sommes dans un monde de défis, matin, midi et soir. Comme Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, qui lançait les défis à Israël. Matin, midi et soir, Israël était dans la peur. Mais il a fallu qu'un jeune homme, David, vienne, qui avait compris qu'il était avec Dieu. Il a rappelé ce que Dieu avait fait pour lui. Non, c'est Dieu-là m'avait délivré une fois. Je me rappelle l'autre fois, lorsque les lions l'ours venaient prendre la brebis. Que j'étais en train de pèler les brebis de mon père. Parce que je savais que
J'avais la responsabilité de garder ces brebis-là. Je n'acceptais pas que l'ours ou le lion vienne en arracher une. Donc je le suivais. Je l'attrapais, j'arrachais la brebis entre ses dents. Et je frappais le lion, je le tuais ou l'ours. Vous imaginez bien dans le Seigneur. Il a dit non, non. Même cet incirconcis ici, il ne fera rien devant ces dieux-là. Je connais. Tu n'as pas une expérience avec Dieu là où tu peux t'accrocher. Donc, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, rien, Dieu n'a jamais fait. Même quand on était bien-aimé des païens, quand tu t'imagines, moi, comme je me rappelle quand j'étais païen, j'ai vu comment Dieu m'a préservé de la mort. C'est pas pour rien qu'il m'a préservé de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre vie un peu désordonnée, bien-aimé dans le Seigneur, parfois on est tombé sur des filles qui étaient bien-aimé atteintes de maladies de sida. Mais Dieu nous a préservés, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas expliquer comment, mais Dieu nous a préservés. Mais comment puis-je ne pas faire confiance à ce Dieu qui m'a préservé quand je ne le connaissais pas, j'étais païen. Mais comment ne pas le faire confiance au moment où maintenant je crois en lui, je m'attache à lui, je m'accroche en lui, je lui fais confiance. Mais comment ne pas, bien-aimés dans le Seigneur, mais confier en sa parole. Bienvenue dans le Seigneur, tu as au moins une petite expérience avec Dieu à laquelle tu peux t'accrocher. Pour dire, Seigneur, si tu as fait pour moi ça, alors même si ce n'est pas ton expérience à toi, mais au moins peut-être à côté de toi, bien-aimé, tu as vu comment Dieu agit dans la vie de quelqu'un. Alors même si à côté de toi tu ne vois pas, bien-aimé, alors lis la parole, lis la Bible, tu verras comment Dieu agit avec David. Bien-aimé, Dieu a agi avec David. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment, combien de fois Dieu est en train de dire à son peuple. Autrefois, c'était Israël, alors qu'il sortait de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Dieu est en train de dire à Israël, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu est en train de dire. Donc, en guerre, contre tes ennemis. C'est pourquoi nous avons titré notre message « Avec Dieu, bannissons la crainte face à nos ennemis. » Bannissons la crainte. Et lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dieu rappelle, voilà, souviens-toi comment il t'a délivré de l'Égypte. Il rappelle, souviens-toi, si j'étais délivré de la main forte de Pharaon, donc quand un ennemi, un autre ennemi va surgir devant toi, ne crains pas, souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as au moins une expérience avec Dieu, tu as au moins une expérience avec Dieu, accroche-toi à cette expérience, fais-lui confiance à la situation qui t'arrive maintenant, fais confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur. Le verset dit quoi? À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Bien-aimé, je suis en train de vous parler. Vous encouragez, il dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il marche avec, bien, mais Dieu marche avec eux. Mais Dieu est en nous. Christ en moi, l'espérance et la gloire. Dieu est en toi. Le fait d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient, bien aimé. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu ne marche pas avec toi, mais Dieu marche en toi. Dieu est en toi. À combien plus fort raison, bien aimé, que c'est Dieu, la bénédiction, le Seigneur, n'acceptera jamais que l'ennemi vienne jouer avec toi. Fais confiance au Seigneur. Le problème, c'est la foi. Bénédiction, le Seigneur, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Je vous assure. Dieu que nous prions, bien-aimé. Il est vivant. Tout au long de la journée, bien-aimé, le Seigneur. J'étais en train de réfléchir, mais je fais les travaux chez moi. Je vous partage ce petit témoignage, mais ça va vous encourager. Je fais les travaux chez moi. Alors, ça m'a pompé vraiment beaucoup de moyens. Je vous assure. Je fais les travaux à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, la personne qui fait les travaux chez moi, justement, l'entrepreneur m'appelle et me dit, non, voilà, écoute, parce qu'on a travaillé tout le week-end, on a travaillé le week-end, il me dit, écoute, je viendrai entre jeudi et vendredi, je vais passer, mais écoute, tel produit, comme ça,
Je dis dès que je serai là, comme ça on avance avec les travaux. Mais je réalise que je n'ai rien dans mon compte. Je dis bien, je n'ai rien dans mon compte. Je n'ai que 9 euros. Je dis, Seigneur. Je lui ai dit, ok, ça va. Je vais. Il lui dit, non, ça va, c'est bon. Jeudi, en tout cas, tu viens jeudi. Il dit, jeudi, on va venir. Je suis là, pasteur. Il dit, jeudi, viens jeudi. On va continuer les travaux. Je vous assure, je n'avais rien dans mon compte à part le 9 euros. Et puis la journée, j'étais là, je dis, Seigneur. Je terminais ma prière le matin. C'est juste après ma prière qu'il m'a donné la nouvelle. J'étais entré, je dis, Seigneur, oh là là, jeudi, vendredi. Non, non, non. Il n'est pas encore jeudi, il n'est pas encore vendredi. Le soir, je reçois quelqu'un qui vient chez moi. Et ce soir, ici, il n'y a même pas, il y a une heure et demie. Il dit, pasteur, je vous ai appelé, je vous ai apporté une enveloppe. Mais comment ne pas croire à ces dieux-là, délivrance? Comment ne pas faire confiance à ces dieux-là? C'est pas possible. Comment ne pas? Il voit mon besoin, délivrance. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Bannis l'inquiétude, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas voulu m'inquiéter. Non. Je n'ai rien à me dire. Mon épouse m'a posé la question, mais. Est-ce qu'il viendra? Je dis oui, oui, il va venir jeudi, on va continuer les travaux. Je n'ai pas voulu lui dire que non, voilà, on n'a rien, je ne sais pas comment je vais. Non, 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 je n'ai pas voulu m'inquiéter. Je n'ai pas voulu m'inquiéter, j'étais calme, tranquille. Je dis oui, on fera les travaux, on continue le jeudi, vendredi, dès qu'il est là, comme ça, on continue les travaux. Je savais que j'avais des produits à acheter, mais qui valait que je lui pose, c'est combien? Il dit non, mais un pot, c'est à peu près peut-être 110 euros. Je dis, oulala. Combien de pots? Il dit, ben écoute, on va te donner selon la surface entre on te donner combien de pots il en faut. Il dit, mais Seigneur, s'il en faut 3, 4, mais c'est la catastrophe. Bien dans le Seigneur, quelqu'un venu, pasteur. Tenez. Ouh, alléluia. Bien-aimé, comment ne pas servir un Dieu pareil, bien-aimé dans le Seigneur? Tu seras fait, sers Dieu, fais confiance, il connaît ton besoin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, bien-aimé, s'il peut pourvoir à ce genre de besoin, bien-aimé dans le Seigneur, où je réfléchis, je vais faire quoi, mais je n'ai pas voulu m'inquiéter. Il dit, Seigneur, je sais que tu es au contrôle de tout. C'est d'ici vendredi ou jeudi, Seigneur, il y aura une solution. Elle viendra comment? Même la personne qui m'a appelé entrevue, je n'ai voulu rien lui dire. Pour lui, c'est normal, hein? J'ai fait les travaux, donc il y a l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Bannis la crainte. N'aie pas peur. Proverbe 3, le verset 25. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ne redoute pas, béni dans le Seigneur, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne redoute pas, ni une terreur soudaine, quelque chose qui t'arrive brusquement, ne redoute pas, n'aie pas peur. Ni une attaque de la part des méchants. Bien aimé, même l'attaque, tu as le Seigneur avec toi, il te protège. Bien aimé, la Bible dit, n'est-ce pas, de tous ceux qui m'ont été remis entre mes mains, personne n'a été ravi de mes mains. Bien aimé, tu es dans le creux de la main du Seigneur. Personne ne te touchera, tu es la prunelle de l'œil de Dieu, personne ne te touchera. Fais confiance au Seigneur. Tu as la prunelle de son œil. C'est pourquoi autrefois Jérémie disait, Dieu parlait par Jérémie, et toi mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas Israël, car je t'ai délivré de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos, de la tranquillité, et il n'y aura personne pour les troubler. Bien dans le Seigneur, lorsque tu as le repos de la terre, personne ne peut te troubler. Celui qui te trouble, il rencontre Dieu sur son chemin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage, parce que la crainte amène le découragement, la peur amène le découragement. Bien-aimé, le découragement, c'est une arme que Satan utilise beaucoup, bien-aimé, contre la plupart des enfants de Dieu. Le découragement, c'est face à la situation, on n'a pas la solution, tu te sens découragé, déprimé.
Bien-aimé dans le Seigneur, vis la vie de foi, fais confiance au Seigneur. Fortifiez-vous, ayez du courage. Deutéronome 31, verset 6. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est bon. Comment ne pas, bien-aimé, s'accrocher à ce Dieu, à un Dieu pareil? À un Dieu comme celui-là, bien-aimé dans le Seigneur. Comment ne pas s'y accrocher? Un Dieu qui nous donne l'assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es entre les mains du Seigneur. Personne ne te touchera. Personne ne t'inquiétera. Fais confiance au Seigneur. N'aie pas peur. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi nous s'arrange, n'est-ce pas, pour nous faire voir que Dieu est petit. Ton problème est trop grand. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ton problème est tout petit par rapport à la grandeur de Dieu. Tout minuscule, minuscule, même au-delà de minuscule, micro-minuscule. Ton problème est tout petit par rapport à la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas la taille de ton problème, mais regarde bien-aimé, la grandeur, l'immensité de Dieu. L'immensité de Dieu, bien-aimé. Fais confiance au Seigneur. Aie foi en Dieu. Ah ouais, on va prier. Hein. On va bénir. Ce qui nous trouble, c'est parce que quand tu regardes ton problème, les gens sont peur, ou les sorciers, ou ils m'ont dit ceci, ils ont déclaré ceci, oui, j'ai peur. Et les oncles, ils se sont réunis au deuil là-bas, ils ont dit, vous les enfants de tel, vous allez voir. N'aie pas peur, bien aimé dans le ciel. N'aie pas peur. Tu n'as pas été le provoqué. S'ils viennent te provoquer, ils vont rencontrer ton Dieu sur ton chemin. Oui, pasteur, ils ont dit, les oncles ont dit, voilà pourquoi, maintenant, c'est pour comment ça va se passer. Nous, on a peur parce que ils avaient fait ça aux enfants de telle tante. Oh, ils ont eu trop de problèmes dans leur vie. Et, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Bienvenue dans le Seigneur. Une fille a perdu. Moi, j'invente beaucoup d'histoires. Hein. Une jeune fille, bien évidemment, elle avait perdu ses parents, son père et sa mère. Et la parcelle, on a pris tous les biens. Ça, en Afrique, c'est compliqué. Hein. La famille de son père, ils ont dilapidé tout le bien. Ils ont laissé une toute petite parcelle dans un quartier reculé. C'est là qu'elle est allée habiter avec leur mère et certains de ses frères. Et là, bien dans le Seigneur, quelques temps après, ceux qui ont pris les histoires de la famille, les grands, les oncles, les consorts, ils reviennent encore bien pour reprendre la toute petite parcelle qui leur restait. La fille était troublée. Elle dit, mais on va faire quoi? Ces oncles-ci, ce sont des gens quand ils te regardent avec les yeux, tu piques une crise cardiaque. Elle est allée voir son pasteur, elle dit, pasteur, voici le problème qui se passe là, ça ne va pas encore, on a tout pris. Maintenant, regarde, ils viennent encore, oh non, quelques années après, oh non, ils vont prendre la petite parcelle là, ils vont la vendre. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que je dois faire. On va faire. Le pasteur a dit, non, non, n'aie pas peur, ma fille. On va prier. Le pasteur est allé dans cette paille, il a prié, il a dit, Seigneur, tout celui qui viendra dans cette parole pour créer problème à cette famille ici, Seigneur. Tu y es le père des orphelins, le mari de veuve. Seigneur, souviens-toi. Bienvenue dans le Seigneur. Le pasteur est parti. L'oncle est venu matin, tôt le matin, bienvenue dans le Seigneur. Tôt le matin, aussitôt franchi la barrière, bienvenue dans le Seigneur, de la parcelle. Il est tombé. Aussitôt franchi la barrière, tombé, bienvenue dans le Seigneur. Oh, il a commencé à baver. On a pris, on amène quelqu'un à l'hôpital. Oh. Il a fait bénir le Seigneur un AVC. AVC! À l'hôpital. AVC. À l'hôpital, entre la vie et la mort, entre la vie. Et... Dieu a eu pitié de lui. Hein. On l'a laissé un peu dans cet état-là. Et puis, ils étaient affairés. Bénir le Seigneur. Ah, ils se sont pas fatigués. L'autre part encore là-bas pour aller menacer un matin. Mais il arrive là, le Seigneur, le matin encore, l'autre arrive, un de leurs oncles arrive là, mais hop! AVC. Ils sont plus retournés. Hein. Ils les ont laissés tranquilles. Oh, ce sont des sorciers.
On a commencé à avoir peur. Oui, ça, c'est la vraie. C'est au-delà de la société. Ce n'est pas, c'est au-delà de la société. C'est la très haute tension. 22 600 volts. Très haute, très, très haute tension. Bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé, tu es à la très haute tension. C'est parce que tu n'es pas conscient, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens s'amusent avec Dieu. Hein. Ah là, les autres qui sont, les autres oncles qui sont restés. Non, il ne faut pas aller là-bas. Hein. Il ne faut pas aller là-bas. Oh, c'est lui qui était pas divin. Lui, il est entré. Le deuxième est entré. Mais il s'est assis même sur la chaise. Ouais, ben, vous savez, Tokoya, pour battre la mesure, il y a l'oupado. On va venir pour qu'on prenne les mesures de la parcelle. On va voir si on va passer. On ne sait pas la morceler. Ben, on va trouver quelqu'un. Sur la chaise là où il était. On appelait ses enfants. Hey, les enfants sont venus vite. Hey. Lui, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est retourné dans cette parcelle-là. Personne! Jusqu'aujourd'hui. Personne n'est retourné dans la parcelle jusqu'aujourd'hui. Les gens s'amusent avec Dieu. Hein. Les gens croient qu'ils peuvent faire souffrir les gens. Non. Bien, car l'Éternel marchera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonne. N'aie pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je vous assure. Je vous assure, n'est-ce pas? Un jour, bien-aimé, j'ai vécu ça dans ma vie. J'ai vécu ça dans ma vie. C'était un mois de prière. C'était, je crois, au mois de juin. On avait l'habitude de faire tout le mois la prière. Hein. On a l'habitude de faire tout le mois la prière, le mois de juin. Et on était en prière. Je suis sorti de mon travail, je suis allé à l'église. Arrivé à l'église vers 14h. J'ai pris le temps de prier. J'ai prié 14h jusqu'à 15h. Je suis sorti vite pour aller prendre mon épouse. Le travail de mon épouse n'était pas loin de l'église. En chemin, bien-aimé dans le Seigneur, une voix me dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. J'entends la voix, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, je la répète. Aussitôt, je prends l'autoroute. Le capot de ma voiture s'ouvre. Et venu, bien-aimé, s'est collé sur le pare-brise. Je ne voyais pas. En pleine autoroute, bien-aimé, à 120 km à l'heure, la bande rapide. Je vous assure, je ne sais pas comment la voiture s'est arrêtée. Le moteur s'est arrêté. Bam! Voiture arrêtée. Et vous savez quoi? C'est un endroit là où les voitures vraiment viennent en flèche. Et qu'est-ce qui se passe? La personne qui venait derrière moi a vu. Il a mis les freins de main. Moi, je n'avais même pas mis. Tellement j'étais dépassé, je n'avais même pas mis les freins de détresse. Mais la personne qui était derrière moi, il a mis les freins de détresse, même dans le Seigneur. Quatre fois, tant. Et il descend de sa voiture. Il vient vers ma voiture. Il rabat le capot. Il me regarde. Je baisse la vitre. Il me pose la question, ça va, monsieur? Je dis, oui, ça va. OK. Il retourne dans sa voiture. Il rentre. Il ne sonne pas. Il est resté tranquille. Pendant cet événement, aucune voiture, ni sur la bande du milieu, ni sur la bande d'à côté. Mais toutes les voitures étaient derrière la voiture qui était derrière moi. Toutes les voitures en ligne. Feu. Tant. Bien-aimé, j'ai mis mon clignotant à droite. Je prends la troisième bande, la bande du milieu. Je prends la dernière bande et je sors. Et là, j'ai vu la voiture. Voup, les voitures ont commencé maintenant. Mais comment, bien-aimé, ne pas faire confiance à un Dieu pareil? Comment ne pas faire confiance à un Dieu pareil, bien-aimé dans le Seigneur? Un Dieu qui te protège. Là où l'ennemi avait planifié que aujourd'hui ça va, ça sera, c'est fini pour lui. Mais il me parle, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, bien-aimé. À l'oreille, j'ai entendu la voix à l'oreille. Et j'ai répété cette parole dans ma bouche. Bien-aimé, est-ce que ce Dieu-là peut t'abandonner? Non, je vous assure, il ne va pas vous abandonner. Il ne va pas vous abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons confiance à ces dieux-là. Fais-lui confiance.
Quel que soit ce que les gens ont planifié contre ta bien-aimée, fais confiance au Seigneur. Aie foi en Dieu. N'aie pas peur. Bannis la crainte, bien-aimé, dans le Seigneur. Bannis la crainte. Il a dit, mais même dans Hébreu, n'est-ce pas, il a dit, Hébreu 13, bannis la crainte. Je ne te laisserai pas, je t'abandonnerai. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Jésus-Christ a fait la promesse, bien dans le Seigneur. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ne crains pas, petit troupeau, bien-aimé. N'ayez pas peur. Bien-aimé, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Alléluia. Bien dans le Seigneur, demeurons fermes, n'est-ce pas, dans la foi. Faisons confiance au Seigneur. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur. C'est lui qui a dit, petit troupeau, ne crains rien. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains point, petit bien-aimé. N'ayons pas peur. Ah oui, pasteur Jean-Paul, on est parfois à 5, à 6, nous prions la nuit. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'est qu'un point. Bien dans le Seigneur, n'ayons pas peur. Faisons confiance, bien dans le Seigneur, à celui qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien dans le Seigneur, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Bien dans le Seigneur, c'est ça même dans les combats spirituels, n'est-ce pas? Même dans les combats spirituels, l'une des armes la plus poussée, de trouver la force en Dieu. Dans le combat. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, bien-aimé? Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, toutes les armes, oh, nous avons à lutter contre ceci, contre. Mais avant cela, bien, dans le, Dieu nous demande de nous fortifier en lui. Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous donc et trouvez la force en Dieu. Donc ne soyez pas découragés. Parce que, bien-aimé, quand on a peur, on se décourage. On va lever le voile, nous allons prier, n'est-ce pas? Je voulais, n'est-ce pas, vous booster, n'est-ce pas, dans votre foi. Vous allez lever nos voix, bien dans le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peur de rien, Seigneur, merci. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, bien aimé, dans Matthieu 28, le verset 9. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Bien aimé, il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, bien dans le Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, bien aimé, dans Matthieu 28, le verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur. C'est une promesse formidable. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Quelle belle promesse, bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à la fin de ce monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Quelle belle promesse, bien aimé dans le Seigneur. Une promesse merveilleuse. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours. Il est avec toi. Bien aimé, élevons nos voix, n'est-ce pas? Comment ça dit, Seigneur? Bon, on a juste une vingtaine de minutes, n'est-ce pas, de prier. Mais ce soir, c'est juste pour bannir la peur. Alléluia. Bannir la peur. Nous confier en Dieu, béni dans le Seigneur. Élève la voix, n'est-ce pas, commence à dire, Seigneur, merci pour ta présence tous les jours de ma vie. Seigneur, merci pour ta présence. Je demande pardon pour ma peur. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est en toi. Pourquoi avoir peur alors qu'il est en toi? Demande pardon, Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, pardonne-moi parce que j'oublie que tu es en moi. Tu es là tous les jours. Mais j'ai peur comme si tu es loin de moi. Bien, mais le Saint-Esprit est en toi. Pourquoi avoir peur? Il est en toi. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit, pourquoi avons-nous peur, bien dans le Seigneur? Dis, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu es toujours la même. Seigneur, pardonne-moi parfois parce que je ne te fais pas confiance. Ou soit j'oublie, Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimé, prions le Seigneur, alléluia, implorons la miséricorde de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous pardonne.
nos inquiétudes, bien-aimés, nos craintes, nos peurs, nos frayeurs. Que Dieu nous pardonne. Dis, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ton pardon, tendre Père. Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne ton peuple. Seigneur, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, tendre Père. Il arrive, Seigneur, notre Dieu, que nous nous perdons parfois dans ce qui est essentiel. Nous passons à côté à cause parfois de ce que nous voyons dans le monde. Le monde parfois nous fait peur avec ses nouvelles, avec ses réalités. Tendre Père, combien de fois n'avons-nous pas peur, oubliant que Saint-Esprit, tu es en nous. Seigneur, tu as choisi d'habiter en nous. Nous te disons merci d'avoir fait de nous ton temple à toi. Voilà pourquoi nous venons demander pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde pour t'avoir négligé. Nous t'avons mis de côté. Oh Seigneur notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pardonne ton peuple. Alléluia. Les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Tu y es les dieux de pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Souviens-toi que nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. S'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, nous implorons ton pardon et ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce et pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité au nom de Jésus. Glorifie ton nom éternel Dieu Tout-Puissant et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te bénissons, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi le grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu nous avais élevé nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas dire, Seigneur, alléluia. Tu vas dire, Seigneur, j'ai banni la, Seigneur, j'ai banni la peur, Seigneur. Je me dresse contre la peur dans tous les domaines de ma vie. Je brise la peur. Je brise l'esprit de peur. J'ai banni la peur. Je brise l'esprit de peur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu, délivre-moi de la peur. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Élève nos voix, n'est-ce pas? Élève nos voix, n'est-ce pas? Commence à prier, Seigneur, tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu y es les dieux de victoire. Seigneur, tu nous as assuré de ta présence tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi nous bannissons la peur face à nos ennemis, face à les situations que nous traversons, face aux maladies, face, Seigneur notre Dieu, face à la crise financière, face, Seigneur, au chômage, face au célibat, face, Seigneur notre Dieu, à l'infertilité. Nous bannissons la peur, nous bannissons la peur, tendre Père, nous proclamons ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nos yeux sont fixés sur toi, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves, Maître du ciel et de la terre, manifeste ta gloire, manifeste ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Tu y es les dieux de grâce, tu y es les dieux de paix, tu y es les dieux d'amour, tu y es les dieux de bonté. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai banni la peur, j'ai banni la crainte sous toutes les formes, au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de la peur. Nous chassons l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Nous chassons l'esprit de peur au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que l'esprit de peur soit brisé dans ma vie, dans la vie de mon frère. Nous chassons tout esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, merci. La peur de la maladie, la peur, Seigneur notre Dieu, la peur des démons, la peur, Seigneur notre Dieu, de nos adversaires, la peur du diable, la peur de la sorcellerie, la peur de la magie, la peur de l'occultisme. Nous brisons tout esprit de peur, la peur sous toutes ses formes. Nous brisons tout esprit de peur au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire, ton règne dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre, merci pour ta présence au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Seigneur, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Mais tu vois, nous allons prier, n'est-ce pas, mais tu vas briser tout esprit de découragement. Alléluia. Tu vas briser l'esprit de découragement. Alléluia, bien-aimé. La peur, n'est-ce pas, bien-aimé, nous amène au découragement.
Les gens sont face à la peur, tu es découragé. Oh, les médecins m'ont dit j'ai telle maladie. Oh, les médecins m'ont dit que tu auras peut-être ceci. Ou bien, mais tu te sens découragé, démoralisé. Nous allons nous lever contre l'esprit de découragement. Le découragement, c'est une arme que Satan utilise bien aimé dans le Seigneur pour déstabiliser beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons bien aimé nous lever contre les découragements, contre l'esprit de découragement sous toutes les formes, au nom puissant de Jésus. Proclamons trois fois, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia, maître du ciel et de la terre, nous proclamons ta victoire, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'être du ciel et de la terre. Nous nous lèvons contre les découragements. Nous nous lèvons contre tout esprit de découragement, au nom puissant de Jésus. Nous bannissons les découragements. Nous brisons les découragements. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de découragement soit brisé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout esprit de découragement, au nom puissant de Jésus Christ. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus. Nous brisons les découragements. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Roi. Au nom puissant de Jésus Christ, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Merci, grand Roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia, tendre Père, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien face à l'ennemi, n'est-ce pas, quelle que soit sa nature, n'est-ce pas, bien, nous allons proclamer la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimer face à l'ennemi, nous allons bien aimer proclamer la victoire sur tous nos ennemis. Avec Dieu, bien aimer, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, bien dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera l'ennemi. Ça, c'est terrible. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrasera nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ferons des exploits avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est le psaume. Bien, le psaume 60 ou le psaume 110, 108, bien-aimés dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier, bienvenue dans le Seigneur. Tu vas dire, c'est notre Dieu, avec Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, je ferai des exploits. Que mes ennemis soient écrasés à cause de ta présence dans ma vie. Que mes ennemis soient écrasés, bienvenue dans le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia, ça sera l'un des sujets de nos prières, n'est-ce pas, dans les jours qui viennent. Mais ce soir, nous allons prier, Seigneur, que Dieu écrase nos ennemis, bien-aimés, Seigneur, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient, bien-aimés, n'est-ce pas, bien-aimés, qu'ils soient, je ne sais pas, qui pratiquent des arts divins, que nos ennemis, sous toutes les formes, qu'ils soient visibles, qu'ils soient invisibles, bien-aimés, avec Dieu, que Dieu écrase nos ennemis au nom puissant de Jésus. Alors, proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Dieu Tout-Puissant, nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous prions, c'est notre Dieu, que nos ennemis soient écrasés au nom puissant de Jésus. Les sorciers, c'est notre Dieu, c'est qui nous attaque des jours comme des nuits, c'est qui nous attaque de manière visible et tout comme invisible, qu'ils soient écrasés par ta présence au nom de Jésus. C'est notre Dieu, écrase nos ennemis, que nos ennemis soient écrasés par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que nos ennemis soient écrasés. Nous déclarons, tendre Père, que nos ennemis soient écrasés. Avec Dieu, nous ferons des exploits, que nos ennemis soient écrasés au nom puissant de Jésus. Physiquement, alléluia, spirituellement, alléluia, de manière visible, de manière invisible, que nos ennemis soient écrasés au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci d'écraser nos ennemis, écrase nos ennemis, écrase nos ennemis, écrase nos ennemis, au nom puissant, quel qu'il soit, c'est notre Dieu, ceux qui sont dans la magie, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont éternels, notre Dieu, dans la divination, écrase nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Nos, les humains, c'est notre Dieu. Les ennemis visibles et tout comme invisibles, qu'ils soient écrasés par toi. Que nos ennemis soient écrasés. Que nos ennemis soient écrasés. Que nos ennemis soient écrasés. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, écrase nos ennemis. Qu'ils soient de nos familles, ma belle famille, en dehors de nos familles. Qu'ils soient écrasés. Écrase nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Que nos ennemis soient écrasés. Que nos ennemis soient écrasés.
Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant trop, Père, merci. Que nos ennemis soient écrasés au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que nos ennemis soient écrasés. Dieu Tout-Puissant, lève-toi. Que nos ennemis soient écrasés au nom puissant de Jésus. Ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui sont dans le monde des cimetières, que nos ennemis soient écrasés. Ceux qui viennent sur notre Dieu, du monde de l'enfer, qu'ils soient écrasés. Du monde sur notre Dieu, qu'ils soient écrasés au nom puissant de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que nos ennemis soient écrasés. Tendre Père, merci. Merci d'écraser nos ennemis. Qu'ils soient écrasés. Nous marchons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nouer. Je viens marcher sur notre Dieu. Je marche sur la puissance de l'ennemi. Je marche sur les ennemis. Je marche sur mes ennemis. Parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, c'est notre Dieu, pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu Tout-Puissant, merci. Que nos ennemis soient écrasés. 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 Au nom puissant de Jésus, que nos ennemis soient écrasés. Que nos ennemis soient écrasés. Écrase nos ennemis. Écrase nos ennemis. Écrase nos ennemis. Écrase nos ennemis, au nom puissant de Jésus, écrase nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, pour ta bienveillance. Dieu grand et redoutable, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous magnifions ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, avec Dieu nous ferons des exploits, avec Dieu nous ferons des exploits. Au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, bénis dans le Seigneur, que Dieu nous délivre, n'est-ce pas, bien-aimé. Que le Seigneur délivre-nous de la peur. Délivre-nous de la peur du découragement. Délivre-nous, Seigneur, de tous nos ennemis, bien-aimé. Tu vas réclamer la délivrance. Que Dieu te délivre de la peur. Que Dieu, bien-aimé, te délivre de tous tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix. Comment s'élever la voix, Seigneur? Allez, éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Dieu Tout-Puissant, merci. Que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère. Délivre-nous de tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Délivre mon frère. Délivre ma soeur de tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Tant trop, Père, merci. Délivre-nous de tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu, de la peur. La peur de la maladie. La peur de la maladie. La peur, Seigneur, notre Dieu. La peur de toutes les situations. De la pauvreté. La peur du célibat, la peur du divorce, la peur de l'infertilité. Délivre-nous de la peur, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, délivre-nous de la peur. Délivre mon frère de la peur. Délivre-nous du découragement, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, délivre-nous du découragement. Tendre Père, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Dieu grand et redoutable, merci pour ta grâce. Bien-aimés, nous allons bien-aimés prier, n'est-ce pas, bien-aimés. Seigneur, donne-nous la foi. Seigneur, que ta présence soit réelle et manifeste. Nous invoquons ta présence dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies et dans nos familles. Élève la main. Commence à invoquer le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant du Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans ma vie. Seigneur, merci pour ta. Que ton règne vienne dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Au nom de Jésus, élève nos voix, n'est-ce pas? Commence à invoquer le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, t'es comblé de sa présence. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous invoquons ton règne, Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne dans ma vie, dans mon âme, dans mes pensées, dans mon être tout entier. Que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus, établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans ma famille. Établis ton règne dans mes
projets dans ton Père. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne dans le monde de taille de ma vie au nom puissant de Jésus. J'invoque ton règne, Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel et de la terre. J'invoque ton règne dans le moindre temps de ma vie au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur notre Dieu, de manifester ta victoire dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ton règne éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous invoquons ton règne, Maître du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Que ton règne vienne, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta victoire. Que ton règne vienne dans le moindre état de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta présence tous les jours dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église. Merci pour ta présence. Tu as dit, Seigneur, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de nous assurer de ta présence, au nom de Jésus, que ton règne vienne. Merci de nous assurer de ta présence, au nom de Jésus-Christ. Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Donne-nous de marcher par la foi. Bien-aimé, commence à prier, Seigneur. Donne-moi de marcher par la foi tous les jours de ma vie. La foi. Bien-aimé, commence à prier. Saint-Esprit, donne-moi de marcher par la foi tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, merci. Que tu nous donnes de marcher par la foi. Nous voulons marcher tous les jours de notre vie par la foi. Au nom puissant de Jésus, donne-nous les yeux de la foi. Donne-nous les cœurs de la foi. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons voir par la foi. Nous voulons voir les yeux de la foi. Alléluia, les oreilles de la foi. Alléluia. Tendre Père, merci. Que tu nous donnes la foi de marcher tous les jours de notre vie par la foi. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Commence à venir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit pour ta présence encore ce soir dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour ta victoire sur tous nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous combler de ta présence au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci de nous inonder de toi. Saint-Esprit, merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour nos vies. Saint-Esprit, merci de nous combler de ta présence au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous allons lever nos voix, nous allons bien-aimés prier pour Maman Fifi. Que la main de Dieu, bien-aimés, touche Maman Fifi là où elle est, n'est-ce pas, bien-aimés? Que la main de Dieu la touche au nom puissant de Jésus. Et nous allons aussi bien-aimés prier pour notre frère Maxime qui est en prison. Que la main de Dieu, n'est-ce pas, soit sur lui aussi. Élevons nos voix, bien-aimés, prions pour Maman Fifi qui est malade, n'est-ce pas, là où elle est, internet, n'est-ce pas, bien-aimés, le Seigneur. Que la main de Dieu soit sur elle. Et Maxime qui est en prison, que la main de Dieu soit sur lui aussi. Élevons nos voix vers le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Nous te supplions, Tendre Père, de la toucher de la tête jusqu'aux pieds. Au nom puissant de Jésus, visite-la, Tendre Père. Visite Maman Fifi au nom puissant de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur notre Dieu, de visiter Maxime là où elle est. Tendre Père, c'est toi qui as dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas voir Maxime en prison, mais nous savons aussi, Seigneur notre Dieu, par de loin, Seigneur, de le transporter devant ton trône de la grâce. Souviens-toi de Maxime, cher Saint-Esprit. Merci de le toucher là où il est, au nom de Jésus. D'étendre ta main sur lui, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans la vie de Maxime, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ta faveur et pour ta fidélité. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. Dieu Tout-Puissant, merci d'assurer Maxime de ta présence. Maman Fifi aussi, que ta présence soit réelle et manifeste, au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons bien-aimé briser la puissance de la mort, n'est-ce pas? La mort planifiée, la mort brutale, la mort bien-aimé, la mort prématurée. Nous allons nous lever contre les esprits cimetières, n'est-ce pas? Nous allons briser la puissance de la mort. Allez, élevons nos voix, n'est-ce pas? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous levons contre la puissance de la mort et nous brisons toutes les malédictions prononcées contre nos vies, contre nos familles. Nous brisons les malédictions prononcées contre nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons, Tendre Père, la mort prématurée, la mort brutale. Nous nous levons contre les esprits cimetières. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les esprits cimetières et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta grâce soit sur nous comme nos yeux sont fixés sur toi. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci, cher Saint-Esprit. Remercions le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Bénissons Dieu, n'est-ce pas? Bénis le Seigneur de nous avoir accompagnés dans ces programmes de prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir accompagnés dans ces programmes de prière. Au nom puissant de Jésus, l'Esprit de grâce et les faveurs, l'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, merci de nous avoir accompagnés dans ces programmes de prière, de nous avoir accompagnés. Merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse lui sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. À très bientôt, merci. Reposez-vous bien. Que Dieu vous fasse du bien, se souvienne de vous, de vos maisons. Soyez bénis. À très bientôt, merci. Courage, ne te décourage pas, continue à prier, chaque fois Dieu t'en donnera l'occasion, prie, ne te fatigue pas.